test sur le jeu Winning Eleven 3 Final version qui, je vous rappelle encore une fois, il s'agit de la version japonaise de International Superstar Soccer Pro 98, sorti en 1998 sur PS1 ou PSX, ça dépend comment on l'appelle, et édité par Konami. Donc sans plus attendre, alors on a lancé quelques matchs, là on va en lancer un petit. Alors, le jeu, franchement, me rappelle étrangement Coupe du Monde 98, qui puisait World Cup 98 sur PlayStation 1, avec l'exception de l'intégration de l'équipe nationale australienne, suivie du Pays de Galles, de l'Irlande du Nord et de la Turquie, alors que ces équipes-là n'étaient pas présentes dans le jeu. Enfin, si, l'équipe nationale de l'Australie était présente dans le jeu Coupe du Monde 98 sur PlayStation 1, idem pour la Grèce et le Portugal. Par contre, l'équipe de la Turquie, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord, elle, par contre, elle n'y était pas. Elle savait pourquoi. Bon, pas grave. Allez. Sans plus attendre, on va se faire un petit match. On va se faire un match 100% africain entre la sélection camerounaise et la sélection nigérienne. Alors oui, je sais, on a déjà vu les Nigériens et les Camerounais à l'heure, mais qu'est-ce que vous voulez, j'aime bien faire des espèces de petits matchs aux allures de derby continental. Je trouve que c'est stylé, c'est franchement, c'est le jeu, franchement, est tentant. Franchement, le jeu est tentant comme tout. Franchement, c'est y a pas à dire, on s'éclate, que ce soit la version occidentale ou la version japonaise, en l'occurrence celle-ci. Pour moi, je n'ai aucune préférence, étant donné que les deux jeux sont reliés. Et voici donc l'entrée des deux équipes, celle du Nigeria et celle du Cameroun. Alors, le Nigeria joue en blanc à rayures vertes, face à eux, la sélection camerounaise qui joue en vert, rouge à rayures jaunes. Et ça promet d'être un excellent derby africain, si je puis dire. Allez, on va lancer directement le match. C'est parti. Ah oui, et j'ai laissé l'IA jouer à ma place, parce que j'avais envie de, comment dirais-je, de laisser l'IA jouer à ma place. Comme ça, on pourra à la fois regarder les matchs, le match de ce jeu. Comme ça, on pourra à la fois regarder ce match et papoter en même temps, comme si on regardait un véritable match. Un match digne d'une Coupe d'Afrique, d'ailleurs. J'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans camerounais et nigériens. Et pour l'instant, là, on démarre en 4 de tour parce que là, il y a une touche camerounaise. C'est reparti parce que là, pour l'instant, là, ce sont les. Ah oui, c'était les Camerounais qui avaient le ballon. Malheureusement, ils se sont fait chipper. Oh, ça a percuté la barre transversale. Oh, c'est parti très vite que j'ai pas fait attention au ballon. Attendez, c'est pas fini, parce que là on continue à progresser du côté nigérien. Attention, mesdames et messieurs. Ouh, il va vendre du rêve ce match. Il va vendre du rêve. Et il va vendre du très bon rêve, je dirais même. Lawal. Moses. Olise, Ikpeba, le ballon est pour les Nigérians. Déviation. Ok, quelque chose me dit que le match promet du lourd. On progresse du côté camerounais, le problème c'est que. Le problème, c'est que les Camerounais, ils assistent, mais le problème, ils ont tendance à sous-estimer leur adversaire. Ah, attends, c'est parce que là, ce sont les Camerounais qui ont donné le ballon. Est-ce que non, ça passe juste au-dessus de la cage du gardien. Très bien. Allez, on continue. Ce sont les Nigérians qui ont de nouveau le ballon. Voilà. Nouvelle possession du ballon des
des Camerounais. Oh, attention, repris par Taribo West, repris par les Camerounais. Attention. Est-ce que. Oh, attention, c'est pas fini. Oh là là, il y a un cafouillage de ouf. Voilà, et les Nigériens qui s'en sortent bien. Mais c'est pas fini parce que là. Et là, il y a un tacle qui lui donnera une faute du côté nigérian. Il faut qu'il fasse gaffe. Oh, attention, parce que cette fois-ci, ce sont les Super Eagles qui avaient une occasion. Oh, et encore un tacle. Oh là 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 là. Ah, il faut qu'il fasse gaffe. Les Camerounais, ils se laissent un petit peu avoir. Ok, c'est parti, oui. On continue à progresser du côté camerounais ainsi que nigérian. Ok, si vous aimez les matchs dignes d'une Coupe d'Afrique, eh ben vous êtes servi. Allez. Oh, c'est bon, ça ne passera pas, ça ne passera pas. Possession des Nigérians. Oh, attention, il y a une occasion! Une occasion des Nigérians! Oui, c'est ouverture du score des Super Eagles! Oh la va! Oh, il était beau celui-là! Il était beau ce but! Il était beau! Attendez, on va passer au ralenti parce que là, ça vaut le coup. Ah, on n'a pas vu le ballon rentrer dans la cage, mais c'est pas grave. On a tout de suite remarqué que le but est quasiment entré dans la cage. Et ouverture du score du Nigeria. J'ai toujours su que que le Nigeria était une équipe qui avait un style mais très véloce, très rapide, qui a très bon jeu d'équipe. Bon, on va plus dire autant du Cameroun, mais bon. Le Cameroun est pas mal aussi, hein. Mais bon, dans tous les cas, les équipes africaines sont vraiment des équipes à sous-estimer, hein. Et c'est pas étonnant que le Nigeria a été ce qu'on peut appeler le premier pays africain à vouloir remporter une médaille d'or au JO d'Atlanta. Ensuite, c'était les Camerounais qui avaient remporté la médaille d'or. Attention! Non, attention. Là, il faut vraiment qu'ils fassent gaffe, ces Camerounais, hein. Il faut vraiment qu'ils fassent gaffe. Nouvelle possession des Nigérians. Oh, une nouvelle faute. Oh là 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 là. Et on se laisse aller, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Oui, déviation. Coup franc des Camerounais. Allez, joueur du Cameroun qui se donne à fond. Mais bon, ici là ils sont un petit peu assommés. Faut dire que les Camerounais, ou comme n'importe quel pays d'Afrique, ils ont souvent rencontré des adversaires de haut calibre. Oh, attention! Oh, attention! Est-ce que non, 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 c'était ça, 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 ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, hélas. Alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de cette fin de première mi-temps, et pour l'instant le Nigeria mène toujours 1-0 face au Cameroun. Lawal. Ou dévié par Moé du côté camerounais. Ou repris par Taribo West du côté du Nigeria. Oui, c'est bon, on a réussi à récupérer le ballon.
Dernière chance pour les Camerounais d'espérer égaliser avant la fin de cette mi-temps. Enfin, de cette première mi-temps, pour être plus précis. Et c'est la mi-temps, justement. Bon, une fois de plus, on va assister à un match vraiment, mais tonitruant. Et sans plus attendre, on va s'intéresser tout de suite à la deuxième mi-temps de cette rencontre 100% africaine, digne d'une finale d'une Coupe d'Afrique entre le Nigeria et le Cameroun. Pour l'instant, c'est le Nigeria qui mène au score, 1-0. Les Camerounais qui sont menés, mais qui peuvent encore espérer égaliser, qu'ils puissent revenir, s'ils le peuvent, bien sûr. Mais c'est sans compter sur les bons réflexes de la défense nigérienne. Je rappelle, le Nigeria a été médaille d'or au JO d'Atlanta. Donc, on a la première équipe africaine à remporter. Oh oui, c'est le but! Et 2-0 pour le Nigeria. Ok, je confirme, le Nigeria méritait vraiment de remporter la médaille d'or au cours de l'année 96 lors des JO d'Atlanta aux États-Unis. Bon, je sais que remporter la médaille d'or aux JO, ça vaut pas mieux la Coupe du Monde, mais franchement, c'était vraiment, c'est vraiment une bonne mesure. Hein. On va pas se le cacher. D'ailleurs, les Camerounais, eux aussi, ont remporté la médaille d'or aux JO de Sydney en Australie. D'ailleurs, le Nigeria et le Cameroun ont vraiment un sérieux point commun. Hein. Non seulement ces deux équipes ont remporté pas mal de Coupes d'Afrique, mais en plus, les deux équipes ont remporté tous deux la médaille d'or dans des compétitions olympiques, l'une à Atlanta et l'une à Sydney, en Australie. Donc, je rappelle le score. Oh, attention, attention, attention! Attention, les Camerounais ont une occasion! Est-ce qu'ils vont marquer? Est-ce qu'ils vont... Non! Ça passe juste à côté! Non! C'est dommage! Oh là 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 là! C'est complètement raté! C'est complètement raté! Dommage. Donc, toujours 2-0 pour le Nigeria. Allez, Camerounais qui lutte, qui lutte, qui lutte, qui lutte. Mais ils n'arrivent pas à trouver l'astuce. Ils n'arrivent pas à trouver l'astuce. Attention, est-ce que ça. Est-ce que. Non, c'est un dégagement. Ah, c'est vraiment dommage. Mais c'est dommage, mais c'est dommage. Allez. Allez, courage les mecs, on y croit. Allez. On y croit encore, on y croit encore, on y croit encore. Et 16e minute, toujours 2-0 pour le Nigeria face au Cameroun. Non, franchement, le jeu est bien. Même la version. Bon, je sais que c'est la version japonaise du jeu International Superstar Soccer Pro. 98, mais même la version japonaise est pas mal non plus. Hein. Et c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Allez, Camerounais qui sont de plus en plus sous pression. Et c'est un corner. Corner pour les Camerounais, espérons qu'ils vont trouver une occasion. Est-ce que non? Non, 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 ça passe pas. Allez, deuxième chance pour les Lions indomptables de marquer. Oh là 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 là. Oh, c'est complètement brouillon. C'est complètement brouillon. Non mais là. La défense, elle est. La défense camerounaise est complètement brouillon. Hein, je sais pas vous me dire. Ils n'arrivent pas à se concentrer, les Camerounais, ils sont de plus en plus mal concentrés. Attention! Et là, c'est un coup franc. Coup franc pour le Cameroun. Omambilic.
Mimboé. Mimboé, repris par Lawal du côté nigérian. Ah, hors jeu. Ah, en effet, il était vraiment hors jeu. 30e minute et toujours 2-0 pour le Nigeria. Romain Bilic. Moé qui passe à Tchango Song. Allez, on continue, on continue, on continue, mesdames et messieurs. Ah, petite occasion pour les Camerounais de revenir, ou ne serait-ce que de marquer un but pour sauver l'honneur. Lawal. Amokashi. Surpris par Mambo. Moé. Repris par Ikpeba. Amokashi. Allez, on continue à progresser du côté nigérien. Attention, est-ce que ça. Oh, attention, il y a une occasion! Et troisième but des Super Eagles. Et là, mesdames et messieurs, c'est officiel, on a un vainqueur. On a un vainqueur dans ce match. Oh là 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 là. J'ai un petit peu de mal pour ces pauvres Camerounais qui, visiblement, là, ils sont dominés, les Camerounais. Ils sont vraiment mais à genoux. Hein. Ils n'arrivent pas à trouver l'astuce pour maîtriser le jeu nigérian. Allez, Moses. Oman Bilic. Repris par Taribo West. Moé. Moé. Django. Django. Ouais, qui passe à Song. Ikpeba. Amokashi. Moses. Alors que le match ne va pas tarder à se terminer. Ah, petite. Allez, petit but peut-être? Allez, petit but? Oh là, non, 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 ça ne suffira pas. Ça suffira pas. Non, ça suffira pas. Et c'est terminé. Et ben victoire, belle victoire des Nigérians qui méritent vraiment la victoire parce que là ils ont vraiment géré, ils ont vraiment géré. Non, non, pas de sarcasme entre nous, mesdames et messieurs, ils ont bien joué. Franchement, c'était vraiment ce qu'on peut appeler mais un match d'enfer. En tout cas, belle victoire donc des Nigérians qui l'emportent sur une victoire éclatante 3-0 face aux Camerounais. Les Camerounais, parlons-en, ils n'ont vraiment pas été à la hauteur, pourtant, mais je suis sûr qu'ils sont donnés, ils ont beau se donner à fond, ils n'ont pas réussi à trouver l'astuce. C'est dommage, mais bon, tant pis, espérons qu'ils auront plus de chance au prochain match. En tout cas, belle victoire des Nigérians, qui l'emportent 3-0 face au Cameroun. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc le troisième test sur le jeu Winning Eleven 3 Final Version. Qui est connu sous le titre occidental de International Superstar Soccer Pro 98, sorti en 1998, édité par Konami et sorti sur PlayStation 1 ou PSX, ça dépend comment on l'appelle. Voilà, un très bon jeu de foot. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici Lagos, au Nigeria, à Paris. Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif.